Salut poulet, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on est en casque cam. Casque cam, j'invente un peu. Voilà, donc là aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale où on est dans la chambre, on n'est pas sur la moto parce que j'ai des annonces à vous faire. Déjà, voilà, il y a deux têtes annonces à vous faire. Bref, on s'en fout. Donc, la première, c'est que le moment est arrivé. Je mets en vente ma MT-125. Voilà. Donc, la moto est en vente sur le Bon Coin, elle est à 3600 euros. Vous avez tous les détails de la moto dans la description, vous avez le lien de l'annonce. Elle est disponible sur Gaillac, dans le 80. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par ma MT dans le coin, et ben contactez-moi en bas de l'annonce, là, avec le Bon Coin. Voilà, donc si la moto t'intéresse, vas-y, tu peux l'acheter, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, j'essaie de la vendre, donc voilà. Elle est en très bon état et tout. De toute façon, vous avez tout l'historique de la moto sur la chaîne parce que ça fait. Enfin, la chaîne, je l'ai commencé. Je l'ai commencé peut-être 3 mois après que j'ai eu la moto. Donc. Du coup, voilà. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai obtenu le permis A2. Ah, mais non! Donc, par contre, il y a un truc. C'est que la prochaine moto que je vais avoir, il faut. J'attends de vendre ma 125 d'abord. La prochaine moto que je vais avoir, dès que je vends ma 125, je devrais l'avoir dans les 2-3 jours. Peut-être, j'espère, on croise les doigts. Inch'Allah. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moto que je vais avoir, ça ne sera pas ma moto définitive. Parce que en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis actuellement au chômage. Je galère un petit peu. Au niveau de l'argent, c'est pas trop ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter une moto provisoire. Que je vais garder, allez, 7-8 mois, je pense. Peut-être moins, je sais pas. Et dès que je pourrai m'acheter la moto que je veux vraiment, et ben là, je me l'achèterai. Parce que elle est pas dans mes moyens, en gros elle tourne autour de 6500, 7000 la prochaine que je veux, sauf que l'argent je l'ai pas, j'ai 300 euros de côté, waouh, ça va pas beaucoup m'aider. Du coup voilà, en attendant, je ne vous dis pas c'est quelle moto, et ça j'ai envie de vous garder la surprise. Par contre, je vais vous dire un truc, c'est que la moto, on va dire, non, on va dire les trois motos que je vise pour le pour après, MT-07, la base, version 2018, hein, si possible, parce que la nouvelle gueule, magnifique. La Ninja 650 en bridée, elle est vraiment sympa, tout en noir, elle serait vraiment pas mal je trouve. Ou alors la KTM 790, ceci elle est pas mal du tout je trouve. J'ai vraiment envie de tester les trois pour voir ce que ça donne. C'est une question, voilà, je vais tester, je pense que je vous ferai des vidéos où je les testerai. Je vais essayer de me débrouiller pour ça. Voilà, donc aussi, troisième annonce, j'avais oublié, du coup il y en a une troisième. Je vais faire des vidéos où je teste des motos à deux, enfin des, je vais faire des tests tout simplement, de motos à deux. Donc ça sera, je sais pas, YZF-R3, Ninja 400, MT-07. KTM 390, on verra. RC, enfin tout ce que je peux tester en A2 quoi. Z650, on verra bien. Peu importe quelle moto, si je peux tester des SM, ça peut être drôle aussi. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit peu une vidéo annonce et tout. Du coup, je croise les doigts. Si quelqu'un cherche une MT-125, hop, tu lui donnes mon lien s'il te plaît. J'ai vraiment envie de la vendre cette moto. Que je puisse enchaîner sur la prochaine, voilà. Dès que la prochaine, dès que j'ai vendu la MT, eh ben j'achète la provisoire qui est vraiment pas mal, hein, l'air de rien, elle est pas mal quand même. Voilà. J'en dis pas plus, vous verrez ça de toute façon. Je vous ferai une petite vidéo, ma moto, ma nouvelle moto. J'espère que les personnes qui sont abonnées à moi, tout simplement, j'ai une MT-125, vous allez pas partir. Après, peut-être que vous allez kiffer encore plus ma nouvelle moto, donc finalement, on verra. Ride safe.